Bonjour et shalom à tout le monde dans le nom de Jésus. C'est votre frère et votre serviteur, Jérémie Mansali. Alors, c'est pour nous annoncer que ce mois-ci, nous ne pourrons pas faire la prise des portes, c'est-à-dire prier le dernier jour du mois août. Et aussi posséder le premier jour du mois de septembre. Alors, mais je nous exhorte à demeurer en union de prière, à pouvoir faire cela continuellement, car si Dieu nous donne la possibilité, c'est pour qu'on soit en unité de prière, en communion les uns les autres. Mais nous pouvons réussir à le faire tout seul, chez nous. Alléluia. Même si je ne suis pas en direct. Donc, pourquoi je reviens sur ça? J'avais parlé de la réalité des portes, sur quoi je vais revenir dès le mois de septembre, pendant la veille qui se tiendra du 20 jusqu'au 27. J'insiste sur ça parce que cette prise de porte a porté beaucoup de fruits dans la vie de beaucoup de personnes au milieu de nous qui nous contactent, qui nous font signe pour partager les expériences qu'ils ont eues à vivre et combien le Seigneur, par son autorité, a eu à fermer les portes, n'est-ce pas, de la souffrance, la maladie, n'est-ce pas, des déficits financiers. Alors, voilà pourquoi j'exhorte tout le monde à pouvoir demeurer en union de prière, même si je ne suis pas en direct, nous serons en communion dans la prière. Je ne serai pas en direct, c'est à cause du ministère, donc, mais ça ne signifie pas que nous n'allons pas prier ensemble pour combattre ensemble et accéder à la destination finale tous, autant que nous sommes. Alors, je vous demande vraiment d'être hyper alerté, de rester concentré sur l'essentiel et que le Seigneur puisse agir par sa puissance, par son autorité pour apporter la solution. Il y a des gens qui ont des difficultés par rapport aux factures d'électricité, d'eau. Il y a des gens qui expérimentent des maladies chaque fois que c'est la fin du mois et qu'il y a de l'argent. Il y a des gens, ça dépend. Donc, il y a beaucoup de problèmes et de soucis qui sont là. Et tout ça, si nous prêtons attention et que nous regardions bien, nous allons constater que c'est parce que c'est la fin du mois et qu'il y a de l'argent que l'ennemi vient pour nous dépouiller. C'est ça son travail. Il combat pour nous dépouiller, nous appauvrir, afin que par le manque de moyens, nous ne puissions pas, n'est-ce pas, honorer notre Seigneur. Dieu voudrait que nous soyons épanouis, que nous puissions être élevés, que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme, nous dit la Bible. Alors, soyons en union de prière et retenons ceci. Je nous excuse pour cette absence. Et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Amen.